It's that Zep, Stoop, Bo, no, Shima, Flow. Yeah, yeah, yeah. Bonjour à tous, bienvenue à Clash avec Simon. On se retrouve pour ma progression HTV 12. Ici, on est sur une reprise du 17 juillet. J'avais alors 240 000 élixirs noirs, donc je vais regarder mon roi. Il reste une journée 21 heures, mais ma reine, il reste seulement une heure. Donc ça coûte 20 gemmes pour la terminer. Étant donné que je suis plein en élixirs, je pense que je me suis permis un petit luxe. J'ai terminé la construction et voilà. Et là, on regarde la reine 55. J'ai débloqué le niveau de capacité niveau 11. Donc, il y a 15 archers qui sont invoqués maintenant. Il va rester seulement le dernier niveau quand on va être reine 60 où il va avoir un archer supplémentaire. Donc, là, qu'est-ce qu'on fait avec notre construction de libre? Eh bien, on va regarder. La reine va avoir 12 dégâts par seconde supplémentaires, 57 points de vie de plus. Et il n'y a pas de déblocage de niveau supplémentaire. Alors, c'est reparti. La reine, pour 7 jours, il nous reste 20 000 élixirs. Et là, notre roi est prêt dans une journée 21 heures. Donc, j'ai un défi. J'avais un défi de remplir à nouveau ma réserve d'élixirs noirs en une journée 21 heures. On était le 17 juillet. On se retrouve dans une journée 21 heures pour voir si j'ai réussi à finir le roi à temps. Alors, deux jours plus tard, j'ai farmé comme un fou. Vous voyez, tous mes réservoirs sont pleins. Mon roi, il reste 28 minutes. Je le termine. Et voilà. Je suis full en or, full en élixir noir. J'ai maintenant le roi 55. C'est merveilleux. On est à la moitié de notre progression. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes nos ressources? On a 12 millions d'or, 11 millions d'élixir, 240 000 élixir. C'est fou. On est rempli. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'on fait? Oh, j'attendais, il y avait un petit buisson qui m'embêtait dans ma ville de progression, donc je l'ai enlevé. Et là, maintenant, je pense qu'on va se faire des murs, mesdames et messieurs, parce que là, on a seulement une construction. Et vous voyez en bas à droite, mon électro-dragon, il reste encore 7 jours. Donc, on va se faire 4 murs, mesdames et messieurs. Ça va coûter 20 millions de ressources et on va progresser tranquillement, pas vite, nos murs. Parce que là, il reste 2 jours et 23 heures avant la prochaine recherche. Donc, on n'a pas le choix. Il faut dépenser nos ressources. Donc, un premier mur en élixir, un deuxième mur en élixir, un autre mur en or et un dernier mur en or. Et avec le 240 000, mesdames et messieurs, on va se partir le roi niveau 56. Il nous reste 66 murs à faire. Donc, ça veut dire qu'on a déjà fait 34. On progresse bien. Et maintenant, il nous reste seulement l'élixir noir. Le roi des barbares va être parti pour le niveau 56. On va avoir 8 dégâts par seconde de plus. 162 PV supplémentaires. Donc, ça va être assez bien. Pas d'autres unités débloquées. Donc, c'est parti. On se lance le roi. 215 000 élixirs. Boum! On se retrouve pour la fin de la semaine. Et là, on voit qu'on a une construction qui est terminée. Et une autre qui se termine dans 1h13. Regardez-moi ça, la Giga Tesla va arriver enfin au niveau 5. Je pense que je vais faire une vidéo sur la défense de la Giga Tesla. J'ai vraiment hâte de la voir en action. Ça va être vraiment cool de voir la bombe exploser à la fin. Donc là, en ce moment, je suis rendu à faire les défenses. On a tout plein d'or. J'ai fait la défense la plus forte déjà, c'est-à-dire l'aigle artilleur. Je vais continuer avec la deuxième plus forte. Moi, quand je fais mes défenses, je les fais tout le temps dans l'ordre du plus fort au moins fort. C'est un goût personnel pour chacun, donc je vais faire les TDE en deuxième. Et en troisième, moi, les défenses que j'aime le plus, c'est les tours de sorcier. Et en plus, je trouve qu'elles sont hyper stylées au niveau 11. Donc, on commence par faire les tours de l'enfer. Donc, tour de l'enfer niveau 6, ça coûte 11 millions. Ça va nous donner 11 dégâts par seconde supplémentaires et 300 points de vie supplémentaires en mode multi. Et en mode mono, ça va nous donner 250 dégâts par seconde de supplémentaires. Ça va prendre 14 jours, donc c'est parti! Donc, on la place ici. Je vous reviens dans 1h19 avec la prochaine construction. Alors, on a une dernière construction de la semaine. On va se faire une petite construction. Vous savez quoi? La Tesla camouflée ici, je vais la passer. J'ai pas beaucoup de ressources de toute façon, étant donné que je viens tout juste de partir.
La tour de l'enfer, alors je vais partir. La Tesla camouflée, elle est partie pour 2 jours. Et voilà, ça met fin à la semaine en cours. Donc cette semaine, on a pu passer le roi et la reine au niveau 56. On a pu lancer également une caserne, la tour de l'enfer. Donc ça progresse très bien. Là, ce qui est plaisant, c'est qu'on va commencer à améliorer nos grosses défenses. Ça, c'est le fun. Malheureusement, par contre, ça prend 14 jours par défense. Presque toutes les défenses prennent 14 jours. Alors, peut-être que des fois, je vais faire des vidéos sur 2 semaines, parce que si quand les constructions prennent 14 jours, ça va être dur en une semaine de vous montrer plusieurs constructions. Donc, on va voir au courant des prochaines semaines. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit bientôt pour un autre Clash avec Simon.